Le Premier ministre l'avait souhaité, l'école et l'entreprise doivent se créer des liens privilégiés afin de faciliter l'entrée et l'insertion des jeunes dans la vie active. Désormais, ces lycéens de Georges de la Tour à Metz sont jumelés avec deux entreprises de la région. La première est bancaire, la Banque Populaire de la Lorraine. La seconde est une entreprise du secteur public, puisqu'il s'agit du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Ce jumelage doit permettre, pour les responsables du lycée, de mieux préparer les élèves à la vie active. Et c'est en tenant compte des spécialisations du lycée, orientées vers l'informatique et les sciences sociales, qu'ont été choisis les partenaires. Pour la Banque Populaire de Lorraine, c'est aussi le souci de mieux se faire connaître qui l'a poussé à la signature de cette convention de jumelage. Mieux faire connaître la banque et l'entreprise, une banque qui attend aussi des élèves, des suggestions, des analyses critiques, avec pour objectif le devenir de la Lorraine, un devenir que préoccupent aussi les lycéens. Bon, nous, étant en Lorraine, on parle beaucoup de la Lorraine et on voit un peu comment fonctionne une banque, comment elle peut aider les entreprises à se développer, les prêts avec facilitation, beaucoup d'autres choses.